être là. Premier exercice. Ça va être le prone toe touch. On a probablement déjà vu ça. Quelque part, on commence position de planche, position de push-up. On va venir lever l'ange et vouloir toucher l'orteil opposé. On va aller chercher environ 10 répétitions par côté. Pas besoin de faire de push-up. C'est juste se remettre en position de push-up et on va rechercher l'orteil opposé. J'ai dit environ 10 répétitions par côté. On devrait sentir un étirement au niveau de l'ischio-jambier. J'espère que tout le monde a passé une belle fin de semaine. On est de retour avec des entraînements en ligne à chaque jour de la semaine. On va le faire 10. Pour le deuxième exercice, World's Greatest Stretch. C'est pas moi qui l'ai nommé. C'est le nom de l'exercice. On commence les pieds. Encore une fois en position push-up. On ramène la jambe proche de la main. On va vouloir ramener la main sous l'autre bras. On va faire un tour comme ça. La main sous l'autre bras. On va faire un tour. 5 fois par côté. On fait un bel étirement au niveau de l'ischio. Activation du fessier. Et en même temps, une belle rotation du tronc. On recommence de l'autre côté. Un grand pas. Main sous le bras. Et on vient ouvrir. Main sous le bras. On vient ouvrir. 3. 4. 5. Super. Ensuite, troisième exercice. La planche à 3 points d'appui. Une petite variante pour celui-ci. Je vais demander une contraction en isométrie. Donc, on ne va pas juste lever les bras comme ça ici. On va se mettre les pieds un petit peu plus larges. Je vais me reculer un petit peu. Les pieds un petit peu plus larges. Une planche régulière. Je tourne les mains. Comme ça ici. Vous voyez? Et ce qu'on va vouloir faire, c'est lever un bras sans bouger les hanches. Donc, on lève un bras. On essaie de maintenir cette position pour 3 secondes. On redescend. On lève, 3 secondes, on redescend. Donc, si on me regarde de côté, mes hanches ne vont pas basculer. Mes hanches restent en place. 3 secondes. 3 secondes. Et on fait ça environ 5 fois par côté. On y va. Je crois que personne n'est en position de planche. Let's go. Première série, échauffement, répète, on va répéter le tout une deuxième fois. Vraiment préparer les articulations comme il faut. Premier exercice, on appelle le prone toe touch. On va venir toucher les orteils en position couchée. Hop, on y va. 10 par côté. Les glisses un petit peu. C'est pas grave. 6. 7. 8. 10. Et 6. Vous allez chercher un peu dans les épaules. C'est normal. On va en avoir encore une coupe dans le workout. World's Greatest Stretch. 5 répétitions par côté. On la met la jambe. La main sous le bras. Et on ouvre. Main sous le bras. On ouvre. 5 répétitions par côté. 3. 4. 5. L'autre côté. La jambe proche de la main. Main sous le bras. On ouvre.
2, 3, 4 et 5. Le petit dernier, on avait petite mémoire. Planche à 3 points d'appui, 5 fois par côté, 3 secondes d'isométrie. On y va. Pied large, les hanches ne bougent plus. On lève le bras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça se fait également sur les genoux. Bien sûr, on essaie d'avoir un tapis. C'est de maintenir la position le plus stable possible. Tourne sur le pied. La répétition. OK. Réchauffement de fait. On prend un petit peu d'eau. Good job, tout le monde. Good, 6 participants aujourd'hui. On aime ça. Tout le monde est là. Job Félix, je te vois travailler. OK. Les exercices. 3 blocs musculation, un dernier bloc cardio à la fin. Dans la musculation, il va y avoir aussi un petit peu d'abdos. Donc, pour le premier bloc, on va avoir des yoga push-up que je donne parfois en réchauffement. Mais on va le faire pendant 30 secondes, donc les épaules vont brûler. Deuxième exercice, ça va être des push-press. Donc, c'est là que les petits poids vont devenir utiles. Si jamais on n'a pas de petits poids, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, les push-press. Légère flexion des genoux. Pas un squat complet. Vraiment juste une petite flexion. On utilise les jambes pour pousser. Comme c'est ici. Si jamais on n'a pas de petit poids, si jamais on n'arrive pas à faire des poids, ça peut être des cannes, vraiment, ça dérangerait. Ça ne dérange pas, mais j'aimerais des petits mouvements de bras rapides sur les côtés. OK? Donc, ça va être 30 secondes par exercice. Il n'y a pas de temps de repos entre les exercices. Ça va être 30 secondes du premier, 30 secondes du deuxième, 30 secondes de repos à la fin des deux exercices. Donc, c'est à peu près le même principe que si on faisait 30-15-30-15, mais je veux que ça roule un petit peu plus. On va demander un peu plus d'effort au corps. Yes! Let's go, guys. On active ça, cette caméra. OK. Je vais partir le timer pour les 30 secondes. C'est moi qui vais timer le tout. On se rappelle, premier exercice, yoga push-up. Je vais faire une démonstration rapide. C'est un push-up. Si jamais on a de la misère, on n'a pas besoin de le faire. Donc, push-up. On lève les fesses. On rentre la tête entre les deux bras. Push-up. On lève les fesses, on rentre les bras, la tête entre les deux bras. On voit c'est... pas si ça bien, la caméra. C'est hein, difficile de faire le push-up. On a juste à faire le mouvement de va-et-vient avec les hanches et les bras. OK? Ah. On se prépare. On va partir le tout dans 10 secondes. Je vais repartir ça. 3. Oh! Un petit commentaire. Je vais pas se faire bien. Voulez-vous que je répète le yoga? Ok, comme ça c'est mieux. Et le yoga pour push-up. Excusez-moi, j'ai mal ajusté. Ah. On va répéter ça juste rapidement. Le yoga push-up, le premier exercice. Push-up. On lève les fesses. On rentre entre les deux bras. Si jamais le push-up est trop difficile, on fait juste la deuxième partie. Va et vient. On lève les hanches, on rentre entre les bras. OK? Premier exercice, c'est celui-ci. Le deuxième exercice, on avait soit des push-press ou des mouvements de bras. OK. On y va. Dans 10 secondes. On va l'avoir. Que tout le monde soit bien parti. 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et c'est parti pour 30 secondes. Let's go! On fait les deux exercices un après l'autre.
15 secondes. On continue. Let's go, guys. 10 secondes. On fait 5 secondes. Ah. Et deuxième exercice. On avait les push press, on va chercher les poids. Ah. Let's go. Sinon, on a les mouvements de bras latéral. 15 secondes. Let's go. Ça chauffe les épaules. On continue, guys. 10 secondes. Ah. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. 30 secondes de repos. Yo guys, comme je vous ai dit, si jamais vous n'arrivez pas à deux petits poids, on peut aller chercher un gros qu'on est capable de prendre avec deux bras. Un petit bébé, qu'est-ce que ça veut dire? Du détergent, une boîte. On part en 5 secondes, la deuxième série. 3, 2, 1, c'est parti. Let's go. Push up. On lève. Push up. On lève. Let's go, guys. Let's go. 15 secondes. Let's go, guys. Deux variantes à faire. Si les bras sont fatigués, vous passez à la deuxième. On se reprend pour la troisième série. 3 secondes. Let's go. Et push press. Let's go. On prend les poids et on y va direct. On pousse. On utilise les jambes un petit peu. On respire. Let's go, guys. Petit repos. Si jamais ça brûle trop, on prend des 10 secondes. 2-3 secondes, puis on repart. Deux variantes. Et push-press tous les mouvements. Repos de 30 secondes. Ça va vite, ça va vite. Prenez un petit peu d'eau pendant les 30 secondes si vous voulez. Troisième série. On part dans 15 secondes. Dans 10. 5, 4, 3, 2, 1. Push up. Let's go. On lève les fesses. On lève les fesses. On donne ce qu'on a pour les push-up. Si ça brûle trop, deuxième variante. Les hanches vers le haut. La tête entre les bras. On répète. On répète. Ça vient brûler les épaules. Ouh. Et on switch. Push press, guys. Push press. On prend les poids ou bien les lateral raise sans poids. On pousse. Déjà fait que sont des genoux. On y va. On s'aide des jambes. Mais ça brûle quand même dans les bras. 15 secondes. Dernière série. Hop. Hop. 2-3 secondes. Pas. Let's go. 5 secondes, guys. 4, 3, 2, 1, et. Ouh! Ok. Environ 1 minute à 1 minute et demie de repos. Ça va voir les épaules. Pas pire. Bon, quelques push-ups aujourd'hui. On fait avec ce qu'on a chez nous. Shake un peu les épaules. Voilà. Le deuxième bloc. Il va y avoir des diamond push-ups. Sur les genoux ou bien sur les pieds. Allez-y comme vous voulez. On peut même les faire sur les murs. On peut même les faire sur une table. Tant que les mains sont rapprochées, on descend les coudes vers l'extérieur. Repousse. Mais ça, cherchez principalement les triceps. La deuxième, rotation plank. Donc la planche en rotation. Position de push-up. On vient tourner. Okay.
je vais aller chercher une ligne droite entre ma main qui est à terre et ma main qui est vers le plafond. OK. Donc, ça va être les deux exercices, même principe. 30 secondes pour chaque exercice. On a 30 secondes de repos après les deux. Bien compris? Excellent. Je vais chercher le timer. On se prépare. Ça fait déjà 1 minute 45 qu'on est en repos. On part dans 15 secondes. Diamond push-up, guys. On va commencer avec ça. 5 secondes. 3, 2, 1. Let's go pour 30 secondes. Sur les pieds, sur les genoux. Allez-y, comme vous pouvez. Quelques secondes. Ça brûle un peu, on prend quelques petites secondes. Et on va fort. 5 secondes, guys, let's go. On continue à pousser. 30 secondes de fait. Deuxième exercice, la planche, rotation. On est en position push-up. Toutes les mains, on vise le plafond. De l'autre côté, on vise le plafond. 15 secondes. Let's go, guys. Stabilise l'épaule. On tourne. 5 secondes. 3, 2, 1, repos. 30 secondes. Tout se fait sur les genoux ou bien sur un mur légèrement incliné. Ou sur une table. Solide par contre. OK, deuxième série, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Diamond! Oui, les bras vont être finis. Ah. Okay, back. Let's go. 15 secondes, let's go! Ah. Ah, c'est difficile pour tout le monde. On essaye de ne pas lâcher. On prend jusqu'au bout. 5 secondes. On switch, planche rotation, position de push-up, et on tourne, main vers le plafond. Main. On y va pour 30 secondes. Allez-y à votre rythme, des belles répétitions. Mouh, intensité. Let's go, guys. 5 secondes, 4, 3, 2, excellent. Wouh! Le fait est fait. Wouh! Good job, guys. On lance pas. La petite dernière série. C'est ça, on a un gros repos. Ça vient vite. Dans 10 secondes. Let's go, guys. 5, 4, 3, 2, 1, Diamond, let's go! Dernière série, on y va! Je sais pas, guys. Si jamais trop difficile, prenez 2-3 secondes, on rembarque. Donnez-moi ce que vous pouvez. On est capable. 2-3 secondes. On recommence. Let's go! 5 secondes, guys! Let's go! 5 secondes! 2, 1, on switch la planche, rotation. Ouh, let's go. Belle répétition, bien stable. Stable. Une seconde de fait. Dernière série pour ce bloc-ci. 10 secondes. On prend son temps. 5 secondes. 3, 2, 1. Super. Ouh. Deuxième bloc de fait. Ah. Comme avant, les triceps, les épaules. Moins so-so.
Ah, ça fait partie de la game. Ouh! Il reste un dernier bloc de musculation. Après ça, on va faire un peu de cardio. Suivez un peu. Un bon repos. Hein. J'ai de l'eau. Bien beau suivi. Ne pas arrêter, mais... On fait de la musique, on veut bien. De faire, on va avoir de l'énergie. OK. Je vous explique le prochain. On va avoir un petit tapis. On va être couché à terre. Désolé, il va encore avoir une variation de push-up, mais ça va pas être du monter et du descendre. Ça va être du latéral. OK? Donc, on commence d'un côté. 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 Et qu'on peut y aller en sautant. Bien. Une main à l'autre. Pour les pieds, sur les genoux. Allez-y selon ce que votre corps est capable de donner. Moi, personnellement, je suis sur les genoux parce que je respecte mon corps. On a tous notre niveau. Premier exercice, plyo side push-up. Le deuxième, on a des plank jumping jacks. Ça dit dans le nom, c'est des jumping jacks en position de planche. Comme ici, on ouvre, on ferme. On essaie de garder les hanches à la même place. On fait juste faire des petits sauts avec les jambes. OK? Ah. Donc, premier exercice, plyo side push-up sur les genoux, sur les pieds. On peut également mettre une main au milieu, aller sur le côté, une main au milieu de côté. On peut sauter ou juste se déplacer. On part dans 15 secondes pour cet exercice. Dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On bouge, on bouge. Rapide, rapide sur les côtés. Et 15 secondes, 15 secondes. Let's go, guys. Let's go. On se déplace, 5 secondes. Prochain exercice. Plank jumping jack, on y va. Ouvre, ouvre. Let's go. On reste sur place. Juste les jambes qui bougent rapidement. 15 secondes, guys. Je sais pas. Une petite seconde, si c'est trop difficile, on recommence. On part. Let's go. 5 secondes. On travaille. Let's go, let's go. Et break. Ah. 30 secondes de break. Alors, j'ai dit haut du corps. Un peu d'abdos. Mais ça bouge. On pompe un peu le chest. Les triceps. On part dans 10 secondes. Et oui, les push-ups sur le côté. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, guys. On repart. On change de position. On change. Allez-y à votre rythme. Personnellement, je suis brûlé. Je vais plus lentement. Il y a des machines de guerre qui sont capables d'y aller sans arrêt. C'est pas moi. Je suis qu'un simple individu qui essaie de work out. Il y a des difficultés. Et on change. Jumping jack. Let's go. On donne ce qu'on a. On est capable. 10 secondes de fait. 2 secondes d'arrêt. Si on le veut, on repart. Respectez votre limite. 10 secondes. Let's go. 5 secondes. Lâchez pas, guys. Et break. Oh!
Oh my god. Prépare les entraînements en le lisant. Ça fait mal à moi-même. Mais ça fait du bien. Après ça, la petite douche. On a une belle journée devant soi. Dernière série, guys. Dernière série de musculation. On part dans 3, 2, 1. Les side push-up. Let's go. Pas besoin de descendre très bas. Les triceps ont pris un bon coup. La poitrine également. Ah, le chest. Ouh, 10 secondes, guys. Let's go. Ah, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh, jumping jack. Let's go. Dernière série de muscu. On est capable. Let's go. On nous renferme. Ah. Allez, c'est ça, on se croit, vous êtes capable. 15 secondes, let's go. Lâchez pas. Je dis qu'arrêtez. Vous avez droit à des petites pauses. C'est correct. On part dans 5 secondes. 5 secondes, let's go, lâche pas. 3, 2, 1. Good job. J'ai des petites gouttes de sueur, je sais pas pour vous. Je trouve ça quand même difficile. Ok, on lâche le chest. On lâche les triceps. Je crois qu'il va peut-être en avoir un petit peu, mais c'est pas l'intention. On va avoir du cardio. Ah, on va prendre une petite minute. Je vais vous expliquer. Je sens bien. Ça va être juste 9 minutes. Le imam. Mais ça va changer à chaque fois. Donc, le premier exercice qu'on va faire, tout le monde est attentif, ça va être des sauts à la corde. Selon notre imagination. C'est sûr que si vous avez une corde, on peut y aller. Mais sinon, on connaît le mécanisme. On saute, on bouge les bras. On fait comme si on avait une corde à danser. Hey, dites un petit si vous savez. Dérange pas, ça va être une minute de corde à danser. Après ça, la deuxième minute, ça va être 5 burpees. On a la minute entière pour compléter les 5 burpees. Le reste du temps, en du repos. Donc, on connaît le principe du imam. 5 répétitions, si on finit en 5 secondes, on a 55 secondes de repos. Je comprends, c'est beaucoup. Mais après, la deuxième série, 10 burpees. Troisième série, 15 burpees. Surtout après avoir fait la minute entière de saut à la corde. Troisième minute, on passe à des jackknives. Je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez bien voir. Des jackknives. On ouvre, on revient. On ouvre, on revient. Comme ça ici. Première série, 10 répétitions. Deuxième série, 20. Troisième, 30. Les 30 répétitions, on comprend que c'est la dernière minute de l'exercice, donc le temps de repos, ben, ça va être quand vous allez avoir fini. Donc, je sais que c'est beaucoup d'infos. Je récapitule. Minute 1, une minute de saut. Minute 2, 5 burpees. Minute 3, 10 jackknife. On repart. Quatrième minute, une minute de saut à la corde. Cinquième minute, 10 burpees. Sixième minute, 20 jackknife. Après ça, on répète, tout augmente. Je vais vous dire pendant l'exercice combien on a besoin de faire. OK? Donc, 9 minutes de cardio, quasiment sans arrêt. Vous décidez de votre temps de repos. On part dans 10 secondes pour la minute de saut à la corde. 3, 2, 1, c'est parti. Des petits sauts. Bien silencieux. On bouge les bras également. On va venir chauffer un peu les épaules. Probablement que j'aurais déjà perdu la corde, mais bon.
des petits sauts. Let's go. 30 secondes. Puis allez, fais un petit. À la boxeur. Let's go. 20 secondes. Ah. 15. Let's go. Quand même long, une minute de corde. Ah. 5 secondes. 3, 2, 1. Ouh. 5 burpees, let's go. Avec saut. That's it. Le reste du temps, on le fera en repos. Ah, prochain exercice. 10 jackknife. Je vais vous dire quand y aller. C'est correct. Le temps de repos, c'est correct. Pour tous les niveaux, si jamais c'est trop facile, faites 10, 20, 30. Ajustez. Moi, je sais déjà ce que je vous donne. C'est déjà un bon entraînement. On se fait par 10 secondes pour 10 jackknife. C'est normal. La première série va bien. Et petite répétition. 3, 2, 1. 10 jackknife. Quand même assez facile. Comme je vous dis, la première série. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rien de compliqué. 45 secondes de repos. C'est pas grave. C'est pas. On retourne à la minute de saut. Après ça, ça va augmenter. L'entraînement doit être faisable pour tout le monde. C'est trop facile, on ajuste. On augmente le nombre de répétitions. Il n'y a pas de problème avec ça. On part dans 15 pour la minute. Correct. 5 secondes. Et on y va. Une minute. On va être rendu à 10 burpees. Ah, une 5 secondes de fait. Good job, guys! Good job, good job! Ça brûle! On y va, allez! Let's go! 15 secondes! Let's go! 10. 5 secondes! 3, 2, 1. 10 burpees! Let's go! Pour le jackknife, dans 20 secondes, on a 20 répétitions à faire. Dans 15, 10, 5 secondes, let's go. 3, 2, 1, 20 jackknife. On ramène, on s'étend, on ramène. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
OK, 30 secondes de repos. On repart. Pose-toi la corde dans 25 secondes pour les 3 dernières minutes. Dans 15 secondes. Dans 10. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, let's go. Dans 1 minute. Jamais les sauts, c'est une petite partie de plaisir. Allez-y pour des double unders. Les plus beaux, des hauts sauts un petit peu plus instantanés, un petit peu plus haut. On essaie de faire 2 tours de corde. Imaginez un peu ça. 30 secondes de fait. Ouh, la dernière minute. Le saut à la corde. Ah. 15 secondes. On a 15 burpees à faire. Ah. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. 15 burpees. Let's go. Come on, guys. This. On est fini, on est fini. 25 secondes. Ah, let's go. Let's go. 20 secondes. Ah. Come on. 15. Après ça, 30. Jackknife. Dans 10. En 5, 4, 3, 2, 1. On y va, 30 jackknife, let's go. Fini tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une petite respiration. On est fini, on a une minute pour les finir. Ça fait 20 secondes. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 secondes. Let's go. Ah. Okay. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Woo! Les 15 secondes, let's go, on finit tout. Ah. 10 secondes. Come on, guys. Ah. 5, 4, 3, 2, et 1. Wouh! Déjà tout le monde. Ah. Ah. La dernière, elle nous a rattrapé un peu, hein? Ah. Fallait pas se laisser aller. Wouh! On boit un peu d'eau. Et on se prépare à cool down un peu. Good job tout le monde. Belle présence. C'est avec la caméra. Super. Soit à la maison. Ils n'ont pas mis la caméra. C'est pas grave. Je sais que vous avez travaillé fort. Ça, c'est pas une inquiétude. OK. Cool down. L'aile de poulet. Si on regarde, je viens croiser mon bras. Je viens tirer mon bras d'un côté. Pas trop fort. Juste question de créer une aile de poulet. On va venir étirer du côté. On a l'aile. Continue à bouger un peu sur place. À ce que la tête elle tourne un peu. L'autre côté, on tire l'aile de l'autre bord. Good job, guys.
On étire un peu les trapèzes parce qu'on était un peu pognés dans l'eau du corps. OK. On ramène les bras dans les airs. Là, j'ai mon micro, là. Les bras dans les airs. Prends des bonnes respirations. On se calme. On se calme. On dégourdit un peu les bras. On va faire des gros câlins, tout mou. On relaxe la tête aussi. Qui a une pompe du chest et des bras? Parce que moi, oui. Ça me sauve un entraînement déjà. Ce qu'on va vouloir faire aussi après la suite, on va venir prendre une jambe. On va tout simplement la tirer un peu. On change. Prends une jambe. On vient la tirer. Même si c'était principalement du haut du corps, on a sollicité un peu du bas du corps lorsqu'on était en position de planche. On vient juste dégourdir ça un petit peu. À la place qu'il soit complètement contracté, on va venir les étirer un petit peu. Ah. Excellent. Good job, guys. Bel entraînement aujourd'hui, le haut du corps. On a bien fait ça. Demain, on va aller chercher un peu plus de bas du corps. Je suis encore raqué, mais on va y arriver. Good job tout le monde. Passez une belle journée. On se voit demain. Au revoir, au revoir. Merci à toi, Fatima.